choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant. Yeah.
Père éternel, de nous guider dans ta parole, en ton esprit. Et que le nom de Jésus, le seul nom qui sauve, soit le seul à être prêché au milieu de nous. Car il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas le nom d'une église qui sauve. Ce n'est pas le nom d'un pasteur qui sauve. C'est le nom de Jésus. Merci Jésus d'être passé par la croix pour que nous, nous ayons le salut. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous lisons dans Luc. Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23 à partir du verset 1er. Ils se levèrent tous et ils, Luc 23, verset 1er, ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc. » Après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent, malheureusement. Pilate dit, que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Nous lisons Matthieu 27.
Matthieu 27, à partir du verset 11. Donc Matthieu nous donne une autre version qui va servir de complément pour la version de Luc. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Et voilà le titre de notre prédication. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus ?» qu'on appelle Christ, tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Malheureusement, il n'était pas innocent parce que c'est lui qui était responsable, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui devait prendre la décision. Et il a pris la décision de livrer Jésus aux autres, donc il n'était pas innocent. Malgré le geste de se laver les mains, sa responsabilité était là. Et il est écrit... Voyant qu'il ne gagnait rien, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, il se lava les mains et nous voulons nous poser la question suivante, que ferais-je de Jésus, qu'on appelle le Christ? Une fois, nous avons déjà parlé de ce thème, mais cela concernait le fait de se convertir, oui ou non, à Jésus. Aujourd'hui, nous voulons insister sur le chrétien d'aujourd'hui ou sur l'aspirant chrétien d'aujourd'hui face à Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus? Jésus nous met dans des situations difficiles. Nous avons choisi Jésus, comme on vient de chanter, pour diriger notre vie. Nous considérons que nous sommes dans la vérité en l'ayant choisi. Nous prêchons cette vérité, nous prêchons Jésus. Et nous tenons des positions en fonction du fait que nous avons choisi Jésus. Mais cela commence à devenir lourd pour nous. À un certain moment, ça devient lourd. Pilate aussi avait pris la bonne résolution, celle de croire que Jésus est vrai.
Il n'avait même pas besoin de croire. Il n'avait aucune, il avait aucune preuve du mal que Jésus avait fait. Jésus n'avait rien fait de mal. C'est lui, le juge Pilate, qui le déclarait. Il n'a rien fait de mal. Il savait que Jésus était dans la vérité. Il était juste. Donc à la fin, il dit même, c'est votre problème avec ce juste. Sa femme est venue même le voir pour dire, Pilate, mon mari, j'ai rêvé difficilement ce soir parce que en réalité cet homme est juste. Ne te mêle pas de cette affaire. Laisse-le tranquille. Mais Pilate avait un problème. C'est que les autres pensaient le contraire. Lui, qui était le chef, le responsable, considérait que Jésus était juste dans la vérité, mais tous les autres, la foule, n'étaient pas de cet avis-là. Et à un certain moment de notre vie, Jésus devient ce qu'on appelle en français une patate chaude entre nos mains. Nous tenons Jésus, mais ça chauffe. Et on a envie de le balancer quelque part, parce qu'il nous gêne. Parce que dans la famille, on nous a surnommé pasteur. Dans la famille, on nous a surnommé sa sainteté. Dans la famille, nous sommes considérés comme faisant partie d'une secte. Et Jésus commence à devenir lourd parce qu'il est en train de gâcher nos relations avec les membres de famille. Il gâche nos relations au travail. Il gâche nos relations à l'école. Il empêche parfois notre avancement au travail. Et ça commence à devenir lourd de supporter les Écritures. Les Écritures sont contre l'homosexualité alors que le monde l'accepte. Et tenir une pareille position commence à devenir une patate chaude dont on veut se débarrasser. Les gens de plus en plus entrent dans le compromis et dire ne serait-ce que 20% de la vérité devient déjà un exploit. Et on se dit, qu'est-ce que je veux faire de Jésus? Qu'est-ce que je fais? Voilà la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous les chrétiens, ou les aspirants chrétiens. On se retrouve dans la position de dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tout le monde choisit le contraire de Jésus. Mais je suis convaincu que Jésus est dans la vérité. Il y a des moments où on veut faire autre chose, on se dit, non, Jésus c'est la vérité. Alors on a envie de secouer Jésus et de dire, mais Jésus, aide-nous à prouver que tu es la vérité quand même. Fais un miracle. Agite les murs. Un tellement critiqué permet qu'il fasse un accident, qu'il comprenne que ce que je disais était la vérité. Donc on veut que Jésus nous aide à défendre la vérité qu'il est. Et Jésus ne nous aide pas. Ah oui. C'est ça le problème dans lequel on se trouve. Parce que la vérité, hein, ça ne se défend que par elle-même. Et Jésus ne lèvera pas le petit doigt pour dire, j'ai agité le vent, donc je suis dans la vérité. Non. Il a dit que le diable même fera aussi des miracles. Si on prouvait la vérité par les miracles, donc le diable serait dans la vérité. Pilate avait besoin que Jésus l'aide. Jésus répond aux questions. Réponse, accusation, Jésus ne répond pas. Oh. Pilate disait, mais comment je peux choisir cet homme si lui-même, il ne veut pas s'aider lui-même? Et c'est ainsi que, dans notre chair, on se dit, mais quand même, on ne voit pas non plus ce que Dieu nous a promis. Quand même. Je manque toujours telle chose que j'attends du Seigneur. Mais quand on veut aller à l'autre, de l'autre côté, on se dit non, Jésus est la vérité, je ne peux pas. On sait fortement en nous qu'il est la vérité. Mais on a un problème, c'est que cette vérité devient lourde, elle commence à embêter, elle commence à nous gâcher la vie. Et Pilate, dès qu'il a appris que Jésus était galiléen d'origine, ah, il en a profité, va chez Hérode. Puisque Hérode, c'était lui le responsable de la Galilée.
Mais il était à Jérusalem ce jour-là, peut-être pour des vacances ou pour faire un tour. Et Pilate en profite et dit, voilà, je me débarrasse de ce cas. Ça commence à devenir gênant. Je préfère que Hérode s'en occupe. Et souvent, on est comme ça. On ne veut pas prendre position. On veut appeler le pasteur, que le pasteur prenne position à notre place. On renvoie la patate chaude à quelqu'un d'autre. On renvoie Jésus à quelqu'un d'autre. On préfère que quelqu'un d'autre parle. Que l'autre soit taxé d'extrémiste, mais que toi tu restes un chrétien qui est accepté par tout le monde. Tu ne veux pas porter le poids de la vérité sur toi. Tu préfères dire, écoutez-moi, laissez-moi tranquille, moi je vais seulement prier. Mais oui, mais tu vas seulement prier quoi? Tu vas prier avec des gens, mais tu ne veux pas porter le même poids de la vérité avec eux. Toi tu vas prier quoi? Si tu vas prier avec des gens, donc tu portes le même fardeau de la vérité, quand ils vont défendre cette vérité, tu dis non. Ça c'est les histoires de l'église, allez voir le pasteur. Non, la vérité est dans la Bible. On ne prêche pas un pasteur, on ne prêche pas un groupe, on prêche la Bible. Donc tu dois défendre la vérité. Tu dis non, Hérode est dans le coin, vaut mieux qu'Hérode s'en occupe. Comme ça, toi tu restes tranquille. Tu n'es pas embêté par des voisins, tu n'es pas embêté chez toi à la maison, tu n'es pas embêté par tes amis, tu restes, entre guillemets, neutre. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de neutre. Ou on suit la vérité ou on ne suit pas. Mais Hérode aussi reçoit Jésus. Il se dit, ah, j'ai entendu dire que cet homme était puissant, donc ça ne doit pas être bien difficile de le défendre. Donc je vais le pousser à faire quelques... Je vais voir s'il peut faire quelques miracles. Les gens qui vont être autour vont être épatés. Ils vont reconnaître que cet homme est réellement puissant. Jésus arrive là. Au lieu de faire les miracles, il n'en fait pas. Ah, Hérode dit, mais... Bon, réponds aux questions. Il ne répond pas aux questions. Hérode dit, mais... Comment quelqu'un peut changer, voilà, d'un homme... très puissant en quelqu'un de si silencieux et de si faible. Et puis nous-mêmes, on se dit, mais quand même, quand je me suis converti, Jésus était puissant en moi. J'ai vu des choses. Comment maintenant qu'il faut défendre la vérité, Jésus ne vient même pas, lui, nous faire un petit miracle pour épater les gens, nous donner de l'argent, nous donner de la réussite, parce qu'on se moque de nous. C'est le moment qu'il doit prouver, non? Pendant qu'on se moque de nous. Jésus ne fait rien. Hérode dit, mais Jésus répond aux questions. Pas de réponse. Et il a fini par se fâcher contre Jésus. C'est ainsi que beaucoup de gens qui étaient dans les églises au début, aujourd'hui ils sont en colère contre Jésus. Ils sont partis chez les magiciens. Ils sont partis dans le monde parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchaient. Au début, ils se disaient, je choisis la vérité, mais je sais que la vérité me rapportera telle chose. Ça me rapportera le mariage, ça me rapportera des enfants, ça me rapportera de l'argent, ça me sauvera de telles maladies. Et avec le temps, ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, alors ils ont choisi d'aller vers les charlatans, des gens déguisés en magiciens, déguisés en serviteurs de Dieu, mais des vrais magiciens qui promettent des choses. Ils se sont dit, bon, j'ai voulu servir Dieu selon la Bible, telle qu'on nous disait, mais je n'ai pas obtenu ce que je cherchais. Alors, je vais aller là où on me promet clairement qu'on me donnera des enfants, là où on me promet clairement qu'on me donnera un titre, là où on me promet clairement qu'on me donnera un poste, là où on me promet clairement qu'on me donnera de l'argent, je vais aller. Parce que Jésus n'a rien fait pour moi. Le Jésus tel qu'il m'est présenté, biblique, il n'a rien fait pour moi. Alors, je vais aller là où on peut faire quelque chose pour moi. L'égoïsme les a rattrapés. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit dans son épître qu'il y en a qui étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'ils avaient d'autres objectifs. Et Pilate, de sa bouche lui-même, il dit que Jésus n'a rien fait de mal.
Mais il se dit, si je défends Jésus, je vais subir la même condamnation, puisque tout le monde est contre lui. Si je le défends là, tout le monde va devenir contre moi. Comment m'en sortir? Il dit, bon, je vais trouver un jeu, je vais trouver une solution, je vais profiter du fait que je dois libérer un prisonnier. Certainement, on peut s'en sortir en libérant Jésus. Quoi. Il dit, bon, j'ai le droit je vous donne souvent un prisonnier à cette époque, au moment de la Pâque, je libère un prisonnier, je compte libérer Jésus alors. Les autres ont dit, non, tu ne nous libères, tu ne libères pas Jésus. Il a voulu utiliser quelque chose, une grâce, ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce présidentielle. Bon, Sarkozy peut-être ne l'a pas utilisé, mais du temps de Chirac. Donc il avait le droit à une certaine époque de libérer des prisonniers, de faire des grâces présidentielles. Mais la grâce présidentielle n'enlevait pas le fait qu'on était reconnu coupable. On était gracié, c'est-à-dire qu'on nous sortait de prison, même si en réalité on est coupable. Donc que Pilate gracie Jésus. Comme d'habitude, ce jour-là, il devait gracier quelqu'un. Ça n'enlevait pas le fait que ça ne changeait pas le fait que les autres allaient le considérer toujours comme coupable. Ce n'était pas la bonne méthode. Il fallait qu'il le relâche pour la simple raison qu'il n'avait rien à lui reprocher. Mais lui, il a voulu profiter d'une disposition de leur coutume pour libérer Jésus. Et Jésus allait garder l'étiquette de coupable. Mais le peuple a dit non, nous ne voulons pas. Tu libères Barabbas. Quel ne fut l'étonnement de Pilate lui-même? Comment on peut demander de libérer Barabbas, quelqu'un, un rebelle face au pouvoir? Mais pas seulement un rebelle face au pouvoir, il faut comprendre que les gens de l'époque qui luttaient contre les Romains, les Juifs de l'époque qui luttaient contre les Romains, lorsque tu étais un Juif qui ne participaient pas à leur lutte, qui ne voulaient rien faire pour leur lutte, ils te menaçaient toi aussi. Donc ils faisaient régner la terreur aussi au milieu des Juifs. Comme le font les terroristes dans le milieu islamique, ils font régner la terreur aussi au milieu des musulmans en disant « ceux qui ne contribuent pas à la guerre, ce sont des faux ». Donc ils les menacent. Et donc c'est Barabbas et ce qu'on appelle les zélotes. C'était des gens qui combattaient les Romains, oui, mais en même temps qui faisaient régner la terreur au milieu des Juifs. Et donc, Pilate ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on dise qu'on libère Barabbas. Mais le peuple a choisi qu'on libère Barabbas. Parce que Jésus était déjà devenu gênant pour le peuple, pour les pharisiens et autres. Il fallait l'éliminer parce qu'il ne condamnait pas les Romains. En plus, il remettait en question tout le système de l'époque. Donc il fallait l'éliminer. Eux, ils en avaient déjà fini, ils avaient déjà réglé le compte de Jésus. Mais ils voulaient que tout le monde suive. Pilate était conscient que Jésus était dans la vérité. Mais le problème, c'était que tout le monde refusait Jésus. Que faire lorsque tout le monde refuse Jésus? Je ne vais pas aller plonger avec Jésus. Mais pourtant, il est dans la vérité. C'est le tournant de chacun d'entre nous. Et ça peut arriver plusieurs fois dans notre vie, ce tournant-là. On sait bien que la Bible est la vérité. On sait bien que Jésus est la vérité. Mais la majorité ne veut pas de ça. Les gens qui peuvent te donner une élévation ne veulent pas de ça. Ta famille ne veut pas de ça. Ta fiancée ne veut pas de ça. Ton fiancé ne veut pas de ça. Mais toi, tu sais au fond de ton cœur que Jésus est la vérité. Pilate était dans cette position-là. Jésus est la vérité. Maintenant, je fais quoi? Les hommes ne veulent pas de lui, mais il est quand même la vérité. Je fais quoi? Il est une vérité gênante. Parce que si Pilate avait libéré Jésus, les Juifs allaient faire un rapport sur Pilate, envoyer à Rome, dire à César
ton gouverneur que tu as établi ici, il tolère un homme qui se prétend roi à ta place. Ça allait faire des problèmes à Pilate. Donc, choisir la vérité allait lui créer des problèmes. Et aujourd'hui, on est face à ce choix-là. Choisir la vérité et les problèmes, ou accepter de masquer les choses, d'habiller la vérité pour passer inaperçu et passer partout. On a ce choix-là. Pilate était face à ce choix. Mais vous savez, la vérité aussi est tellement belle. Quand on la connaît, on a du mal à s'en séparer. La vérité est belle. Quand on voit Jésus vivre sans péché, c'est extraordinaire. Quand on voit Jésus guérir les malades, Jésus venir au secours de la femme adultère que les autres voulaient lapider, il vient à son secours, il la dégage des griffes de faux serviteurs de Dieu. Quand on voit Jésus ressusciter la femme, le fils de la veuve, l'unique fils de la veuve de Naïm, quand on voit Jésus dire « Aimez-vous les uns les autres », on sait bien que c'est lui la vérité. Quand on voit Jésus ne demander l'argent à personne, au contraire faire du bien aux gens, on sait bien que c'est lui la vérité. Quand on voit Jésus dans le temple chasser les vendeurs qui ont transformé le temple en marché, on sait bien qu'il est la vérité. Quand on voit qu'à plusieurs reprises, on a voulu le balancer du haut, d'une montagne, d'une colline, d'une falaise parfois, et qu'il a disparu au milieu d'eux par la puissance du Saint-Esprit, on sait qu'il est la vérité. On sait. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous savent que c'est Jésus qui est la vérité. Beaucoup d'entre nous savent que c'est la Bible qui est la vérité. Mais c'est une vérité qui est devenue une patate chaude. C'est une vérité qui embête. C'est une vérité qui gêne parce que la majorité n'en veut pas. Or, nous, on vit au milieu de la majorité. Que faire? C'est ça la question que Pilate a posée. Que faire? Qu'est-ce que je ferai de Jésus? Je sais qu'il est la vérité. Mais le monde vit autrement. Mais moi, je suis dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire, bien-aimé? Alors que la vérité est si belle, si pure, si puissante. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui de plus en plus dégénère dans toutes sortes d'excès. La drogue, l'alcool et autres. Le libertinage sexuel. Et nous pensons que dans un certain nombre d'années, la pédophilie deviendra officielle dans certains pays. Alors qu'est-ce qu'on fait? On préfère choisir le libertinage sexuel tel qu'il est exposé, même quand tu vas retirer ton argent dans un guichet automatique, il y a des images, des nudités qu'on t'envoie. C'est ce qu'on préfère. Ou la pureté que propose Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on préfère? Parce que ce sont ces mêmes images, après, qui produisent des dépravés sexuels qui vont ensuite s'attaquer à des femmes, s'attaquer à des enfants. Et hier encore, on nous a parlé d'une Française qui a été violée en groupe en Inde. Qu'est-ce qu'on veut de cette société-là qui est en train de fournir les gens des images sexuelles après qui hypocritement veut accuser les gens de faire des mauvaises choses? Est-ce qu'on veut de cette société-là? Moi, je dis non. Mais dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit? Mais non, moi je veux juste être polygame, c'est tout. Je ne veux pas être pédophile, mais juste polygame. Le problème, c'est que les polygames finissent pédophiles.
C'est ça le problème. Ça commence, nous, quand on était jeunes, les ministres du pouvoir de l'époque, pour nous, c'était déjà grave qu'ils s'attaquent aux filles de 16 ans. Mais quand on a grandi encore, il paraît qu'ils commencent à s'attaquer aux filles de 14 ans et puis de 12 ans. Les polygames finissent pédophiles, c'est ça le problème. On se dit, mais c'est la société, mais comment vous êtes archaïque avec votre Jésus? On n'est pas archaïque, c'est la vérité Jésus. Que faire dans un monde qui devient de plus en plus violent? Dans certaines églises, on a décidé de dire aux chrétiens de faire les arts martiaux. Il y a de certaines églises où on fait même, dans l'église même, des sports de combat. Parce qu'on se dit qu'il faut être capable de se défendre. Mais nous savons, vous et moi, qu'il y a certaines personnes, pour les arrêter dans la violence, il faut vraiment leur faire mal. Quand vous avez en face de vous un enfant de 4 ans, que vous devez arrêter dans la violence, vous ne serez pas obligé de lui faire mal. Hein. Vous allez le porter, le serrer, c'est tout. Vous pouvez le maîtriser sans vraiment lui faire du mal. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un de 95 kilos, bien sportif, un homme comme ça, vous l'arrêtez comment? En le prenant juste la main? Non, parce que c'est lui qui va vous faire du mal. Donc vous êtes conscient que pour arrêter un tel homme, il faut peut-être lui briser la jambe. Donc vous voyez comment la violence, ça monte. Au début, on se dit, ça sera juste pour me défendre. Mais tu vas te défendre comment? En faisant du mal à l'autre. Bien-aimé, nous sommes face à la question de Pilate. Qu'est-ce qu'on doit faire? Satan te dit, mais oui, mais tu ne vas pas quand même te laisser bastonner devant ton enfant. Voilà comment les... Vous savez comment ça, Satan rajoute les choses. D'abord, au début, c'est, tu ne vas pas quand même te laisser taper à la rue comme ça. Mais comme tu ne réagis pas, il rajoute un complément d'objet. Tu ne vas pas quand même le faire avec ton enfant. Et tu te dis, ah oui, quand même. Mais quand même, le problème, c'est que un jour, tu seras obligé de te défendre contre ceux qui ont des armes à feu. Ça ne sera pas toujours physique. Et toi aussi, Satan te convaincra d'avoir une arme à feu. Et un jour, tu vas te tromper d'adversaire et tu vas tuer un innocent. Bien-aimé, vous savez, il y a des options. Quand on les prend, il faut toujours réfléchir à la fin, à l'avenir. Aujourd'hui, tu peux prendre l'option de faire des sports de combat parce que tu te dis, faites plus aussi à se défendre. Mais comme je l'ai dit, pense qu'un jour, tu auras affaire à quelqu'un dont il ne suffira pas seulement face à lui de se défendre. Il faudra l'attaquer et lui faire mal sérieusement pour le maîtriser, sinon c'est lui qui te nuira. Et ça peut te conduire un jour à tuer quelqu'un sans le vouloir. Donc quand tu t'engages sur une route, prépare-toi aussi à affronter le fait de tuer quelqu'un. Ne reste pas sur la logique, je vais me défendre. Pèse le pour et le contre de tout. Sache que en voulant te défendre, un jour tu peux être, seras amené aussi à tuer. Donc prépare-toi à la réaction de tes enfants quand ils apprendront que tu as tué quelqu'un. Prépare-toi aux 20 ans de prison quand tu tueras quelqu'un. Mais la voix du diable, quand elle te dit, bien-aimé, apprends-toi aussi à te défendre, va faire les sports de combat, ça ne te donne pas toute la suite. Il y en a qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont giflé quelqu'un, la personne est morte. Tout le monde n'est pas pareil. Tu vas tomber sur quelqu'un qui a déjà de fragilité de cerveau, comme les enfants qu'on secoue qui meurent. Et tu vas juste lui donner une gifle et lui, il meurt. Mais tu n'avais pas prévu ça. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on fait devant la violence? Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens qui proposent que les professeurs aient des revolvers pour protéger les enfants. Ça va finir où? Des pasteurs qui ont des gardes du corps avec armée, ça va finir où? Que faire, bien-aimé? Que faire?
Bien-aimés, choisissons notre exemple, notre modèle, Jésus. Jésus a vécu sans garde du corps alors qu'il avait des ennemis sérieux, haut placés. Et quand chaque fois on voulait lui faire du mal, il ne l'atteignait pas du tout. Il ne l'atteignait pas. Et quand le temps est passé, il a compris qu'on pouvait l'atteindre. Lui-même, il a déclaré, maintenant c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres. L'apôtre Paul n'avait pas de garde du corps. Il n'avait pas d'âme. Et le jour où on l'arrêtait, il considérait que c'est Dieu qui permettait qu'on l'arrête et qu'on le maltraite. Nous choisissons, bien-aimés, d'avoir foi en Dieu et d'imiter nos prédécesseurs. Voilà. Quitte à ce que nous paraissions irresponsables. Mais on n'est pas irresponsables. Celui qui croit en Dieu est responsable parce qu'il s'est confié dans le Tout-Puissant qui connaît l'avenir et qui peut tout faire. Que faire de Jésus aujourd'hui? Nous sommes dépassés. Bien-aimés, quand nous voyons les puissants de ce monde dominer l'humanité comme ça, ça énerve. On a envie de prendre le manteau des chrétiens, de mettre de côté et devenir peut-être un terroriste. Mais après, tu vas tuer un président, est-ce que tu vas tuer le système? Non! Tu peux devenir terroriste, tu tues François Hollande, et après, il y aura quelqu'un qui va le remplacer. Il faut se poser toutes ces questions. Ou bien on se dit, moi aussi je vais me battre dans la politique. Mais tu n'es pas le premier à te battre dans la politique. Il y en a qui se battent dans la politique depuis combien d'années? Et quand tu fouilles bien, tu te rends compte que tous, ils sont devenus corrompus. Donc c'est toi qui vas changer l'humanité aujourd'hui. Non. Reste dans le Seigneur. Reste dans la vérité. Bien aimé, il y a des contradictions qui énervent. On se dit, mais comment le peuple peut être bête comme ça? François Hollande qui impose le mariage pour tous, lui-même n'est pas marié. C'est des contradictions qui dépassent. On se dit, mais comment quelqu'un peut défendre le mariage pour tous? Lui-même, il ne se marie pas. Donc il y a une escroquerie quelque part. Et quand on constate que les gens suivent, on se dit, mais que faire? Que faire? C'est écouter Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est vrai que c'est difficile. On est tenté de faire autre chose. On est tenté de devenir homophobe. On est tenté d'injurier. Mais la Bible nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alors nous devons crier à Dieu. Nous devons faire comme Jésus, dire c'est leur temps, mais mon temps aussi viendra. Nous devons voir la patience du Seigneur. Nous devons choisir Jésus-Christ. Mais notre situation n'est pas facile. Comme ça a été le cas de Jésus lui-même. Comme ça a été le cas pour Pilate. Ce n'était pas facile d'être convaincu que Jésus est vrai, mais d'avoir toute une foule qui veut le contraire. D'avoir des convoitises personnelles qui ne cadraient pas avec le fait que Jésus soit vrai. Ça ne marchait pas. Et souvent, on est là face à ces convoitises. Si tu dis que Jésus est vrai, ça veut dire que tu prends une attitude, tu prends une position, mais tu te prives des cadeaux de ton mari. Tu te prives des cadeaux de ta femme, tu te prives de la gentillesse de ta femme, parce que tu dois prendre une position de vérité. Et beaucoup choisissent le côté pratique. Donc, gagner la gentillesse d'un homme, gagner la paix avec les hommes, mais ça ne sera qu'une paix éphémère, de courte durée. Les gens, quand ils voient qu'ils peuvent nous manipuler, nous mettre la pression et nous faire céder, ils continueront toujours à le faire dans l'avenir. Ils mettront encore plus de pression qu'après. C'est comme si on répondait au verset satanique qui dit le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est de succomber. Mais ça viendra encore plus fort. C'est faux. Le meilleur moyen de vaincre la tentation, c'est d'y résister. C'est de la vaincre.
C'est ça le meilleur moyen de finir avec la tentation, d'être victorieux de la tentation. C'est refuser jusqu'à vaincre. Et face à ce qu'on voit, on se dit, mais que faire? Les gens ne veulent pas de lui. Mais moi, je sais qu'il est la vérité. Et c'était la même chose pour Pilate. Ça n'a pas été facile. À trois reprises, il a dit, mais il n'a rien fait de mal. Et on dit, mais oui, mais nous, on ne veut pas de lui. Crucifie-le. Et nous aussi, on se dit, mais Jésus est quand même bon. Vous savez, moi, j'ai posé cette question-là à beaucoup de gens. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Posez la question à celui qui est contre Jésus, contre la Bible. Qu'ils vous disent qu'est-ce que Jésus leur a fait de mal. Ils n'auront pas de réponse. En réalité, la lumière de Jésus les gêne. Ils savent qu'adopter la vie de Jésus, c'est se créer des problèmes sur terre. Parce que les gens veulent une autre voie. Les gens veulent la bêtise, veulent le vol, veulent les magouilles. Ils veulent de la rapidité. Ils ne veulent pas de la patience. Ils ne veulent pas de la simplicité. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Rien. Mais tu préfères choisir ce que l'autre camp veut pour rester en paix avec le monde. Mais ta paix ne durera pas, je te le dis. Le monde est méchant. Après, il se tournera contre toi, ce monde. Tu choisis la paix pour conserver une femme ou un homme. Tu choisis le compromis. Mais il est écrit, ce que tu as semé, tu le retrouveras. Tu le récolteras. Ton péché te retrouvera. Tu fais des compromis, tu fais le choix de Pilate de céder à la pression extérieure. Un jour, tu le regretteras. Bien-aimés, nous nous posons la question, que faire de Jésus? Et on prend l'exemple de l'enrichissement des faux serviteurs de Dieu, des faux prédicateurs. Qui mentent tranquillement aux humains, qui utilisent des versets pour soutirer l'argent aux gens, qui font payer des enseignements très chers. Déjà, faire payer, ce n'est pas bon même. En plus, ils font payer très cher en promettant aux gens qui vont devenir des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu. On se dit, mais que faire devant tout ça? Mais on va faire comme Jésus. On va laisser faire. Dieu sait ce qu'il va faire lui-même. Parce que pendant que Jésus était menacé, les faux serviteurs, les pharisiens étaient là, en train de jubiler, en train de dire, on l'a eu, c'est nous qui sommes forts. Et on voit de faux serviteurs comme les Béni-Hinn, reçus à gauche, à droite, par des présidents, par des foules. Mais on se dit, mais Jésus, défends-toi quand même. Et Jésus ne fait rien du tout. Et on se dit, mais comment lui-même il ne fait rien, moi je vais le défendre. Si tu dois le défendre parce que c'est la vérité, bien-aimé. La vérité est belle en elle-même, elle n'a pas besoin de faire des pubs. Sa vérité, c'est la vérité. À tel point que c'est le juge Pilate lui-même qui dit, il n'a rien fait de mal cet homme, c'est injuste. C'est le juge lui-même qui proclame ça. Si Pilate, qui n'était pas disciple de Jésus, a proclamé ça, à combien plus forte raison toi qui es de Jésus? Quand tu vois ces gens-là se vanter d'avoir des grandes maisons, de belles maisons, est-ce que Jésus s'est vanté de cette manière-là? Quand on voit ces gens-là promettre des miracles aux gens qui vont aller en fauteuil roulant et revenir tels qu'ils étaient partis, est-ce que ça ne nous fait pas mal? On se dit, ah non, bon, il faut prier pour eux. Hein. Nous sommes des humains, mais non,
il y a humain et humain. Il y a des humains qui sont en train de pécher, comme tous les autres. On peut tomber dans un péché et se demander pardon, mais il y en a qui sont des serviteurs du diable et des infiltrés pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc on ne peut pas avoir la même attitude. On doit prêcher la vérité et dénoncer les mauvaises œuvres. Mais les gens disent, mais non, frère, là, tu es dans le jugement. Non, il est écrit que dans 1 Corinthiens 6, on doit juger entre nous. Voilà. Et dans Jean 7, il est dit aussi que nous devons juger selon la vérité. Ce qui est refusé, c'est la condamnation. Mais juger les mauvaises œuvres, on doit les juger. D'ailleurs, comment on va savoir si elles sont bonnes ou mauvaises? Que faire, bien-aimés, devant le fait que ce qui semble être vrai ne produisent pas de grands résultats? Voilà. D'ailleurs, c'est souvent ce que disent les gens. Mais oui, mais lui, il a réuni des foules. Oui, mais la Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup prennent ce chemin. Et étroit est le chemin qui mène à la vérité au ciel. Et peu de gens le trouvent. C'est écrit. Mon ami a dit, mais ils drainent des foules. Mais oui, mais les foules suivent aussi Johnny Hallyday. Les foules suivent aussi les joueurs de football, le Tour de France. Il n'y a pas de foule. Qui a déjà vu une partie de Tour de France en physiquement, pas à la télé? Bien aimé, vous n'allez voir que 30 secondes, c'est tout. Hein. Il passe et puis c'est fini. Mais pourtant, il y a des foules dans les rues juste pour regarder 30 secondes. Il y en a même qui amènent leur camping-car. Tout ça pour regarder 30 secondes. Ils passent et puis c'est fini. Ou une minute. Ils passent et c'est fini. Mais ce n'est pas les foules qui vont déterminer ce qui est bon, ce qui est vrai. La vérité rend témoignage à elle-même qu'elle est belle. Elle est vraie. La lumière n'a pas besoin d'une autre lumière pour l'appuyer. Elle est elle-même la lumière. Et on veut que Jésus nous appuie. Jésus fait quelque chose, quoi. Donne-moi de prophétiser quelque chose que ça réalise, comme ça ils vont comprendre que c'est toi. Non, bien-aimé, la vérité, c'est la vérité. Elle est forte en elle-même. Et quand Dieu fait des miracles, il le fait pour nous aider, pour nous bénir. Il le fait pour glorifier son nom. Mais il ne le fait pas parce que sans les miracles, la vérité ne sera pas reconnue. C'est faux. La vérité est reconnue parce qu'elle est la vérité. Elle est la lumière. Que faire devant de telles choses où on nous dit, mais oui, mais avec votre vérité, votre Jésus, vous restez pauvres. Nous, avec notre prédication de prospérité, nous avons des maisons et des voitures. Nous avons même des jets privés. Il y en a même, c'est écrit. Par exemple, là où on prêche, derrière, c'est écrit Quefrodola Ministries. Donc, c'est son ministère. Ce n'est pas le ministère de Jésus. Ces gens-là ont des jets. Dans leurs églises, il y a des endroits pour payer les offrandes avec les cartes bancaires. Ils disent, mais continuez à prêcher votre vérité là. Vous allez boire la soupe. Nous, on mange la dinde. Voilà. Mais bien-aimés, nous préférons la soupe avec la vérité plutôt que la dinde avec un arrière-goût de prison plus tard, bien-aimés. Avec un arrière-goût d'enfer. Tu es en train de manger la dinde, c'est ce qui te reste 20 ans. Après 20 ans, c'est l'affaire qui t'attend. Est-ce que tu vas avoir le bon goût de la dinde? Non. Mais nous buvons la soupe. Nous savons qu'elle se transformera dans quelques années au paradis en un bon morceau de jambon. Au nom de Jésus-Christ. Et la soupe est d'autant plus belle quand on mange comme ça, bien-aimé. La paix, c'est plus que tout. Ésaïe 48, 22 dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Ils semblent avoir des choses, mais ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Ils savent qu'ils mentent et ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas heureux. Pilate n'était pas heureux. Il était bloqué. Il disait, mais je vais faire quoi? Je choisis Jésus avec les problèmes ou je me débarrasse de Jésus
Et je suis sans problème avec les humains, mais ma conscience n'est plus bien. Pourquoi être obligé de te laver les mains, toi, le chef? Un homme comme Pilate, c'est quelqu'un que les gens craignaient, vous vous souvenez, qu'il est dit de lui qu'il avait tué des gens, il a mélangé leur sang, leur sacrifice. Mais arrivé au cas de Jésus, lui-même, il tremble. Il se lave les mains pour dire « Je suis innocent » parce que son cœur n'était pas tranquille. Et les gens qui choisissent le compromis, leur cœur n'est pas tranquille. Leur cœur n'est plus bien. Et vous savez, pour que leur cœur se sente bien, alors ils choisissent de critiquer la vraie vérité. Ils choisissent de critiquer, de dire « Non, il ne faut pas prendre tout à la lettre ». Ils choisissent de transformer la parole pour essayer de justifier leur égarement. Non, choisissons la vérité, car seule la vérité sauve. Que faire de Jésus? Mais qu'est-ce que tu fais de Jésus? Voilà la question d'aujourd'hui. Et parfois, bien-aimé, ce n'est même pas le monde qui nous met la pression, c'est notre propre chair. Notre chair nous démontre qu'on a des envies qui sont contraires à la parole. Et notre chair nous dit, mais tu n'as pas le choix, ces envies sont en toi. C'est comme si on veut t'amener à reconnaître que ces envies sont naturelles, donc c'est bien. Et la question revient encore, que faire en ce moment-là? Alors que Jésus te dit, prends courage, Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde. Mais ta chair te dit non. Tu ne m'as pas vaincu. Voilà les envies que je te présente. Et parfois c'est tellement fort. On se dit, je n'ai pas le choix. C'est faux, tu as le choix. Toujours le choix. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui soit au-dessus de nos forces. Dieu nous donne toujours la force pour nous en sortir. Tu as le choix. Bien-aimés, on voit tant de chrétiens à cause de la chair se compromettre et compromettre peut-être leur salut parce qu'elle veut avoir un enfant. Elle se permet finalement d'aller, on lui conseille d'aller parler à un prophète ou une prophétesse. Déjà, la façon dont on te conseille, c'est comme si on te conseillait d'aller voir un magicien, un féticheur. Mais juste parce qu'on a mis le nom de prophète ou prophétesse, tu acceptes parce qu'on a changé de nom. Mais c'est la même procédure. Et tu vas là-bas, on te fait boire des choses. Et tu reviens prier encore le dimanche à l'église. Tu as déjà cédé. Tu as fait comme Pilate. Tu as cédé à la pression de la foule. Nulle part c'est écrit qu'il faut à tout prix avoir ce qu'on veut au moment où on veut. Dieu nous donne ce qu'il faut au bon moment. Et la pression de la chair, la pression collective nous pousse à délaisser Jésus comme Pilate a délaissé Jésus. Pilate s'est écrié, je fais quoi de Jésus? Je fais quoi? Et beaucoup ont cédé parce qu'ils ont compris que choisir Jésus, ça voudrait dire s'attirer les foudres des humains, s'attirer les foudres de sa propre chair, s'attirer les foudres de notre raisonnement du nid. Non, ce que tu as fait comme choix ne cadre pas avec la logique d'un homme sensé. Et voilà. Et on sait qu'on va s'attirer les foudres des chrétiens modérés. On va s'attirer les foudres des chrétiens ambitieux, cherchant leur propre gloire. Et on se dit, je veux quand même garder mes amis, je veux quand même garder mes relations, et on fait des compromis, et on perd son âme. Malheureusement, Jésus a dit, à quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi ça sert? Tu perds ton âme. Accroche-toi à la vérité. Que faire de Jésus? Bien-aimé, la première réponse, c'est participer à sa mort. Puisque lui-même ne réagit pas. Pourquoi toi tu veux réagir? Lui-même il ne se défend pas. Lui-même il laisse les faux serviteurs s'enrichir. Lui-même il laisse les puissants de ce monde croire qu'ils sont les plus forts, ils font passer des lois iniques. Lui-même, il permet tout ça.
Pourquoi toi tu veux prendre sa place et devenir malheureux? Accepte d'abord d'entrer dans l'humiliation de Jésus-Christ. C'est la première étape. Accepte cela. Jésus n'a pas perdu de bataille. Il a ses procédures. Mais pour comprendre ses procédures, commence par participer à ses souffrances. Commence par participer à son humiliation. Commence par la première chose. Ce que Pilate n'a pas pu, c'est choisir Jésus. Voilà. Commence par dire, bon, je sais que ça m'amènera beaucoup, beaucoup de problèmes, mais je choisis la vérité. Je sais que c'est une contradiction par rapport à ce que mon corps physique sent. Puisque ton corps te dit, mais tu vas pécher bientôt. Mais tu dis, je sais que c'est en contradiction, mais c'est par la foi que nous vivons. Je choisis la vérité. Jésus m'aidera. Voilà. C'est le début. En choisissant la mort, on peut facilement choisir la vérité. On ne peut pas choisir la vérité et refuser la mort. On ne peut pas choisir la vérité et refuser l'opposition de la majorité. On doit commencer par dire, j'accepte les conséquences. D'où je peux choisir la vérité? Beaucoup ont choisi la vérité sans réfléchir aux conséquences. Aujourd'hui, tu es comme Pilate. Tu sais quelles sont les conséquences du choix de vérité. Que fais-tu? Tu préfères fuir ou dire, la vérité est belle, je ne peux pas la laisser s'en aller. Comme les apôtres, quand Jésus a dit qu'il fallait le manger, les autres, tous les disciples ont fui Jésus, mais les autres n'ont pas fui. Jésus a dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, mais Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, moi je me suis dit souvent ça, mais où on va aller? Qui est-ce qui nous promet l'éternité? C'est Jésus. Qui est-ce qui nous promet qu'il nous ressuscitera? C'est Jésus. Qui est-ce qui est bon? Qui est-ce qui dit qu'il nous aime au point de donner sa vie pour nous? C'est Jésus. Aucun n'a ce discours-là. Même si ça restait que des discours, il est le seul à avoir des discours qui nous réjouissent et qui nous préparent un véritable avenir. Il est le seul. Il est le seul à avoir dit qu'il ne fallait pas rendre le mal par le mal. Il fallait aimer ses ennemis. Quand on pense à tout ça, on se dit non, je ne veux pas aller ailleurs, je vais aller où? Où est-ce qu'on peut me dire le vrai discours? Il est le seul à avoir envoyé ses disciples les poches vides en leur disant, je serai avec vous, vous ne manquerez de rien. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, on a manqué de rien. Il est tout puissant. Où aller? Mais il y a une condition, accepter les conséquences du choix. On va perdre de l'argent, on va perdre la reconnaissance, le respect des gens. On va beaucoup perdre avec Jésus sur la terre, on va beaucoup perdre. Et donc on ne peut pas le choisir sans accepter déjà de perdre à l'avance. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans nos églises avec beaucoup de chrétiens à moitié parce qu'ils n'ont pas choisi de perdre. Premier choix, c'est accepter d'aller avec Jésus dans sa mort. Voilà. Et nous lisons toujours dans Matthieu au chapitre... Non, dans Luc plutôt au chapitre 23. Luc au chapitre 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. 23:50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Il y a un homme qui a choisi Jésus même dans sa mort. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Tous les autres ont fui, se sont dit, mais Jésus, nous ne
croyons qu'il allait nous sauver. Nous croyons qu'il allait devenir roi. Nous avons défendu son nom. Nous avons parlé de lui. Mais aujourd'hui qu'on l'attrape, au lieu de se défendre, il ne fait rien. Et nous, c'est ce qu'on se dit, mais on croyait être dans la vérité. On croyait être dans, avec le Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant qu'on doit payer le loyer, ça devient difficile. Maintenant qu'on doit évangéliser, on n'a pas les moyens. Maintenant qu'on doit, mais on se dit, mais on croyait avoir le Dieu vivant, Dieu Tout-Puissant avec nous. Mais maintenant qu'on a besoin qu'il se défende, il ne le fait pas. On fait quoi? Eh bien, Joseph d'Arimathée a dit, même dans sa mort, je suis avec lui. Et nous aussi, nous disons, même dans l'apparente faiblesse du Seigneur au milieu de nous, nous continuons toujours avec lui. Parce qu'il est la vérité. La vérité est belle. La vérité est pure. La vérité est puissante. Et la gloire de Dieu se prépare toujours à être prête à se manifester. Deuxièmement, bien-aimé, que faire? Que faire devant tout ceci? Surtout du fait que la majorité ne veut pas de Jésus. Alors on fait quoi? Parce qu'un de nos problèmes, c'est que nous voulons être accompagnés dans ce qu'on fait. On veut être accompagné par sa famille. On veut être accompagné par les humains. On veut être félicité. On veut être encouragé. On fait quoi alors? On a choisi Jésus. Le reste ne veut pas. Eh bien, on le garde pour nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel si l'autre ne veut pas. Donc je veux laisser Jésus chez moi. Si tu ne portes pas de fruits dans l'évangélisation, mais pratique ce que Jésus dit dans ta vie. C'est tout. En attendant que ça touche les autres, mais laisse Jésus toute la latitude dans ta vie à toi. Voilà. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Il y a plusieurs faux dieux, vous avez le choix. Mais moi et ma maison, en attendant que vous vous choisissez, moi je vous donne mon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on fait alors que la majorité ne veut pas? On laisse Jésus s'exprimer en nous-mêmes. On laisse Jésus vivre en nous-mêmes. Voilà ce que nous devons faire. Laisser Jésus prendre plus de place en nous-mêmes. Et finalement, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? C'est croire en ce qui est écrit. Dans Luc 24, il est question des disciples d'Emmaüs qui se plaignaient comme nous en disant « Mais Jésus, nous avons cru en lui. Il était un prophète puissant. Il fut un temps où nous voyons son action. Mais au moment où maintenant, les sacrificateurs sont venus l'arrêter avec les Romains, mais il ne s'est pas défendu. Il s'est laissé arrêter et il s'est laissé crucifier. Et ils expliquaient ça à Jésus lui-même qui était ressuscité. Jésus dit, homme lent, oh homme, incrédule, lent à croire ce qui ont écrit les prophètes. Vous êtes lent à croire. Nous ne voulons plus être lent à croire. Nous devons croire ce qui ont écrit les prophètes, ce que Jésus lui-même a dit. Que faire? Croire ce qui est écrit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la crucifixion, il y a un temps pour la difficulté, il y a un temps pour la moisson, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Nous devons croire que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Malgré les apparences, il est vivant. Il est ressuscité. Et acceptons le temps où nous participons à ses souffrances afin que nous soyons amenés dans le temps où nous participerons à sa gloire. C'est ce que le Seigneur nous demande. Acceptons le temps de participer à la souffrance du Seigneur afin que nous passions de la souffrance à la gloire. Et Dieu est fidèle. Quand les disciples parlaient comme ça, Jésus a dit, vous êtes lents. Il leur a expliqué les Écritures. Et quand il a expliqué les Écritures, il a disparu. Ils se sont dit, mais c'était Jésus qui nous parlait. Mais il n'est plus mort. Il est vivant. Il est ressuscité, bien-aimé. C'est vrai que dans notre vie, on aura la position de Pilate un jour. Mais choisissons l'inverse de Pilate. Choisissons Jésus.
Et en choisissant Jésus, nous serons plongés dans la même condamnation que lui. Il a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont haï le maître, ils vous haïront aussi. Donc en choisissant Jésus, nous entrons dans la même condamnation, mais nous participerons aussi à la même gloire, comme dit notre frère Paul. Voilà le passage dans lequel nous devons nous introduire. Le passage de la mort à la résurrection. Que faire? Ben, c'est dire oui à Jésus, puisqu'il est la vérité. Voilà. On n'a pas besoin que Dieu nous encourage pour choisir la vérité. La vérité est belle, puissante en elle-même, et elle mérite d'être choisie. Par elle-même. Ce n'est pas par un encouragement miraculeux. Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on aurait des résultats qu'on va s'enraciner dans la vérité. On s'y enracine puisque c'est la vérité. Elle mérite cela. Voilà le choix que je nous propose aujourd'hui. S'enraciner dans la vérité parce que c'est la vérité malgré l'apparente position de faiblesse dans laquelle la vérité peut nous plonger. Mais cette apparente position de faiblesse sera suivi de la résurrection et de la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à demeurer dans la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans la position de Pilate, où notre chair, le monde, les puissants de ce monde, les faux chrétiens, mettent autour de nous une pression telle que si on choisissait Jésus, on se mettait en difficulté. Mais que faire alors que nous savons que c'est lui la vérité? Seigneur, notre réponse, c'est dire oui à toi, Jésus.